Afin de répondre aux enjeux climatiques, la France s'est engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Objectif affiché pour la biomasse, 40% d'augmentation dans la consommation de chaleur d'ici 2028. Pour l'atteindre, le recours au bois énergie offre de nombreux avantages, notamment sur le plan environnemental. L'avantage principal, c'est une relocalisation de l'énergie. Plutôt que d'aller chercher du pétrole ou du gaz à l'autre bout de la planète, on a autour de nous des productions de bois. Le bois français est en pleine croissance et donc on peut utiliser une petite partie de cette croissance de bois en substitution d'énergie fossile. Une substitution particulièrement écologique, puisque 500 MWh de bois permettent d'éviter le rejet de 150 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bien qu'il ne soit pas le département le plus boisé de France, le Gers possède un potentiel indéniable. 80 000 hectares de forêt, des milliers de kilomètres de routes à entretenir, une importante ressource agricole avec notamment des haies et de l'agroforesterie. C'est en partant de ce constat, mais aussi pour tester la viabilité du modèle économique, que le Conseil départemental a initié en 2018 une filière bois-énergie. Il fallait passer de l'idée à la pratique, donc le principe a été de poser le département comme effet de levier finalement, et donc exploiter le bois des bords de route, exploiter le bois de nos forêts départementales pour tester, voir quels étaient les volumes que cela pouvait donner, la faisabilité des chantiers, est-ce que opérationnellement c'était réaliste ou c'était une utopie parce que trop compliqué. Donc on a fait la démonstration à la fois que sur les bords de route et dans les forêts, les deux étaient techniquement réalisables. Techniquement, mais aussi durablement, car il ne s'agit pas de dilapider nos ressources forestières, mais bien de récupérer les bois qui doivent de toute façon être prélevés. En 2019, une coupe de résineux coordonnée par l'ONF a ainsi permis de récolter 1500 tonnes de plaquettes, tout en adaptant la forêt de l'Abégeant au changement climatique. Il faut savoir que ces résineux ont été plantés il y a une soixantaine d'années à peu près, mais ils ne sont plus du tout en station en raison du réchauffement climatique, des stress hydriques répétés. Donc l'aménagement prévoit la récolte progressive de ces résineux. Et puis derrière, comme vous le voyez, il y a un joli peuplement de chênes sessiles qui va prendre le relais. On est à l'optimum de l'utilisation et de ces forêts-là qui servent d'une part à exploiter le bois, d'autre part à l'agrotourisme, très important, captation de CO2 et l'agrotourisme, dont nous avons des forêts très agréables qui sont entretenues. Mais le problème et mon souci, c'est que les forêts privées, qui sont beaucoup plus importantes que nos surfaces, sont un petit peu laissées à l'abandon et c'est dommage. Des forêts privées qui représentent plus de 90% de la surface boisée du département du Gers. Et pour gérer cette ressource, les propriétaires peuvent compter sur les conseils du CRPF. C'est toujours un petit peu plus compliqué en forêt privée de par le morcellement. Je vous ai parlé de plus de 30 000 propriétaires, donc effectivement c'est un peu plus compliqué, mais il est vrai que la filière bois doit compter sur le bois énergie pour permettre d'évacuer un certain nombre de produits. Ça peut participer à l'entretien des forêts. Après, peut-être qu'on peut trouver aussi, lorsque l'Office national des forêts a un chantier, comme ici, dans des forêts départementales, forêts domaniales, à partir du moment où il y a un opérateur qui vient pour faire du bois énergie, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler ensemble et arriver à regrouper certains propriétaires privés qui sont à proximité. Ça serait quelque chose qui serait jouable. Une fois coupé, le bois doit être broyé avant d'être utilisé pour le chauffage. Après broyage, les plaquettes sont amenées sur la plateforme de stockage de Saramon. Construite fin 2019 par le département, elle permet d'accueillir environ 500 tonnes de plaquettes qui seront séchées durant plusieurs mois afin d'optimiser leur pouvoir calorifique. Si on apporte le bois de très loin, avec des centaines de kilomètres, ça n'a aucun intérêt parce que l'empreinte carbone du transport annule les effets de paquet de bois. Donc l'idée, c'est un peu comme on l'a fait pour les déchetteries avec Trigone, c'est de se rapprocher effectivement des citoyens, des communes. Et donc l'idée d'avoir peut-être 3 ou 4 plateformes dans le Gers permettra sans doute de mieux valoriser un peu partout notre forêt départementale, les coupes qui sont faites le long des routes. 3 collèges gersois sont d'ores et déjà équipés de chaudières bois. À l'île Jourdain, comme à Miélan et à Mirande, l'établissement est livré en plaquettes toutes les 2 à 5 semaines environ,
suivant les températures extérieures. Le combustible est déversé dans un silo qui alimente ensuite la chaufferie du collège. Le bâtiment, ses caractéristiques, sa conception ont fait que nous avons utilisé tout ça pour donner une vraie identité au collège et pour engager les enseignants et les enfants dans des démarches liées au développement durable. Un des postes budgétaires qui était très très important pour nous, c'était le gaz. Donc nous avons décidé d'essayer cette année d'exploiter au maximum et à 100% la chaudière au bois. Donc là, depuis le début de l'hiver, depuis que nous avons mis le bâtiment en chauffe, nous n'utilisons que la chaudière au bois. Il fait 100 degrés, elle tourne à 35% actuellement. Ça, c'est la vis qui amène le bois du silo au niveau de la chaudière. Avec un petit récupérateur où on peut voir la qualité de la cendre. Et après, il y a une autre vis qui nous amène au niveau des bacs de récupération de cendre. Donc on en a deux actuellement qui font 300 litres chacun. Des cendres que le collège Françoise Héritier utilise comme fertilisant pour ses plantations, mais qui peuvent aussi être valorisés en externe. C'est le cas à Mirande, où le lycée agricole récupère les cendres du collège local. On leur prend ce qui les encombre comme un déchet pour le valoriser dans notre exploitation agricole, donc en mélange avec du fumier. Ce qu'on trouve dans les cendres de bois de chauffage, ce sont des éléments minéraux surtout, très utile à la fertilité des sols. Ça va au-delà de la filière bois-énergie, c'est l'utilisation du bois sous ses différentes formes et peut-être le changement de raisonnement aussi. Hein. Voilà, il nous est par exemple apparu de façon évidente que la production d'énergie est contrebalancée par la recherche d'économie de ces énergies-là. Donc on est vraiment dans cette démarche plus vertueuse qui est le fil conducteur de ce travail. Vecteur d'emploi non délocalisable, 2 à 4 fois moins cher que les énergies fossiles, le bois énergie contribue également à l'amélioration de l'autonomie énergétique. Un enjeu essentiel pour que le Gers devienne, à terme, un territoire à énergie positive. Des forêts aux plateformes de stockage, des chaufferies aux sols agricoles, l'exploitation locale du bois énergie est un cercle vertueux. Preuve s'il en est, que la préservation de l'environnement est une filière d'avenir. On franchit le nouveau pas en disant tous ceux qui ont manifesté leur intérêt, réunissons-nous pour partager des valeurs, partager des objectifs. On est en plein dans la démarche développement durable et transition écologique qu'on essaie de faire passer auprès de nos enfants et de nos futures générations. Le chauffage plaquette, c'est 52% de réduction de prix, de coût par rapport au chauffage classique. Donc de tout l'intérêt qu'on a pour le département, pour les particuliers et au niveau environnemental, à essayer de récolter ce bois qui n'est pas utilisé pour faire de la chaufferie. C'est toujours dans un souci économique, bien sûr, mais pas que, de gestion durable. Donc, je pense que c'est une belle expérience. Je pense qu'il y a un élan qui est en train de se faire. En tout cas, moi, dans les années qui viennent, je veux largement développer cette filière bois pour en faire une des filières de la transition énergétique dans le Gers.